Je pense que c'est un spectacle total, sans cesse, renouvelé. Ils sont tellement nombreux. Un coup, on se focus sur le hautbois. Tout d'un coup, on entend les basses qui sont là. Quand on entend la musique sur un disque, bon, c'est la stéréo. Mais quand on est là, devant l'orchestre, c'est... Je sais pas, il faudrait inventer des sources sonores multiples aussi loin. Donc, c'est toujours génial. C'est pour ça que c'est bien que les gens voient ça. La musique classique, c'est quelque chose qui, pour les gens qui ne connaissent pas, peut-être d'un peu rébarbatif ou d'ancien et tout ça. Mais quand vous assistez physiquement devant un orchestre qui répète, il n'y a rien de plus sublime. Les publics scolaires, comme on les appelle, c'est vraiment les meilleurs publics parce qu'ils sont très, très, très réactifs. C'est-à-dire qu'ils ne rient pas, c'est un tonnerre de rire. Et à un moment, il y a un petit drame et puis il y a une résolution du drame. Il y a un serpent qui va manger une souris. À chaque fois que le serpent ne la mange pas, il fait un petit câlin à la souris. Mais les enfants, ça les attendrit. On sent qu'ils applaudissent de joie, c'est trop mignon. Ou quand je dessine une princesse, j'entends « Oh, elle est jolie !» Enfin, j'adore, j'adore. L'idée, c'est de rendre tout ça vivant. Alors, je leur pose des questions. Je fais attention parce que quand ils sont tout petits, quand pour répondre oui, ils font oui. D'accord. Et puis tout à coup, ils jouent avec le son et ça produit des chœurs un peu à la Pierre Boulez. Et puis, il y a aussi l'aspect des dessins. Ça, c'est génial. En temps réel, de voir le dessinateur qui appuie les courbes d'une phrase et qui fait ses petits personnages et de voir les gamins qui éclate de rire tout d'un coup parce qu'il fait une moustache à une grosse tête comme ça. Debussy, c'est la musique française du début du XXe siècle. C'est une musique qui est toute inventée par rapport à la musique d'aujourd'hui. Et justement, la boîte à joujoux, c'est un concentré d'expérimentation musicale. Il se passe plein de choses. C'est très varié, donc toutes les 10 secondes, l'orchestre change d'humeur. Et alors moi, avec mon crayon optique, je dois m'adapter à tout ce qu'il raconte. Parce qu'évidemment, il faut que mes images soient parfaitement en symbiose avec la musique.